Steve Darcy, bah, première question, vous pouvez nous dire où vous en êtes dans votre état de forme après, enfin, pendant votre retour de blessure? Bah, physiquement, super bien. Ça fait 5 mois que je bosse vraiment beaucoup pour revenir au top. Donc, niveau physique, je pense que j'aurais jamais été aussi fort. Et maintenant, niveau tennistique, bah, ça fait 15 jours que j'ai repris, 3 fois par semaine, 30-40 minutes. Donc, c'est pas encore grand chose, mais c'est quand même un pas en avant. Hein. Je crois que je progresse petit à petit et reprendre une raquette en main, ça fait du bien. Pour tous ceux qui en doutaient après une telle absence, vous confirmez donc que vous allez retrouver votre meilleur niveau? Oui, j'espère. En tout cas, j'ai travaillé pour. Maintenant, de là à dire que je vais le récupérer, il y a encore un long chemin à faire. Mais j'aurais mis toutes les chances de mon côté. J'aurais vraiment aucun regret. Et on verra dans les semaines qui vont venir comment l'épaule évolue, comment elle tient. Mais si l'épaule tient, je pense que ça ira. Le premier tournoi est déjà programmé? C'est pas encore programmé, non. J'espère pouvoir reprendre début juin. J'espère pouvoir jouer une ou deux semaines et pourquoi pas Wimbledon. Maintenant, ça va dépendre un peu des semaines à venir. Je ne sais pas trop comment l'épaule va évoluer. C'est encore un peu le flou et je crois que dans un petit mois, j'en saurai beaucoup plus. Difficile donc pour l'instant de fixer des objectifs pour cette saison? Bah, c'est difficile, oui, de fixer une date de reprise et les objectifs encore plus. Je crois que si l'épaule tient, début juin, je serai de retour sur les courts. Et si ça doit prendre un peu plus de temps, je prendrai le temps qu'il faut. Je crois que je suis plus sur un ou deux mois près. Hein, quand on a arrêté 6-7 mois, c'est pas à moi qui va faire la différence. Donc je vais reprendre le temps avant de reprendre et je serai à 100% de la reprise.